Donc, ben, on a commencé par essayer de construire deux caisses à savon pour aller participer à une course. Donc, on est monté en Gironde et on est allé aussi en Dordogne voir comment ça s'organisait. Puis, on s'est lancé il y a 3 ans, puisque du coup, c'est la 4e année qu'on fait la course là. On a un tchèque qui fabrique les coques et ça coûte beaucoup moins cher de lui acheter que de les faire soi-même, parce que si on le fait soi-même, il faut faire le modèle, ensuite le moule et ensuite la coque définitive, c'est-à-dire trois fois trois pièces, quoi. Donc ça coûte trop cher, hein. Ça m'a coûté 400 euros à peu près, c'est beaucoup mieux. C'est assez important, c'est pour ça que la forme, vous la voyez. Mais la différence, c'est ce qu'il y a dedans, quoi. On voulait trouver une animation qui sorte un peu de l'ordinaire sans reprendre le traditionnel intervillage. Donc du coup, on a décidé comme ça de partir sur l'idée de la caisse à savon. Ça se mange quand même pas mal sur ce match. Une des fois, t'arrives en bout de route. Pourquoi là, t'as bien frotté, hein? Attends. Oh, bah, c'est bon, c'est l'autre jour. Si on demain... T'as bien frotté, gars. Hein. Ah oui. Voilà, même tes roues. Même tes roues, les roues. C'est un peu parti d'une boutade le soir d'un repas. On a dit ben, pourquoi on ne serait pas capable de les organiser. Et du coup, ben, on a déposé un dossier sans être convaincu qu'il serait accepté. Et au final, ben, on a été retenu. Et on a reçu en fait en septembre dernier deux personnes de la fédération qui sont venues voir notre course au mois de septembre et qui nous ont un peu tuyauté sur la sécurité à avoir en plus sur le circuit. Par rapport à la vitesse des caisses et au nombre de pilotes, au public qu'on allait recevoir. Bonjour, ici. Comment vas-tu? Ouais, ben, ça va. Ouais. Ouais. Bon, allez, on est bien en route. Ben ouais, on est en train de finir de dépiper le virage en bas. Voilà, je suis descendue jusqu'au virage, enfin, pas jusqu'au virage parce qu'il y avait le tracteur. Je vais y aller après quand vous aurez fini. Ouais. Et puis, il faut qu'on voit pour le contrôle technique tout en bas comment on va organiser. Ouais. Et cette année, du coup, le championnat de France est à Espayon. Donc la municipalité d'Espérousse a souhaité s'associer pleinement à cette manifestation puisqu'elle apporte une autorité à la commune, elle apporte aussi du lien social. Il faut savoir que la commune d'Espérousse ne compte que 90 habitants et pour organiser une telle manifestation, il faut beaucoup de bénévoles. Donc nombreux sont les habitants qui spontanément viennent aider à la préparation de cette journée. Et il est vrai que ça nous apporte beaucoup de liens entre nous, puisque c'est une manifestation qui permet de se retrouver, de partager des moments ensemble et de faire vivre le village en fait. Ouais. Ah bah si tu la chouilles pas, ça ira plus. Ouais, on se revoit en bas. Bah écoute, ouais. Vous faites de la compétition depuis combien de temps? C'est la 20e année. D'accord. Dans quelle catégorie? Bah, avant en C3 puis C4 et maintenant C6 avec ma femme. Et vous avez un palmarès? Moi, un petit. Ça devrait être a priori la 6e fois qu'on est champion de France et on était champion d'Europe il y a 4 ans. Et 2 fois vice-champion d'Europe. Donc devant l'ampleur de l'événement qu'on avait organisé, on a dû faire appel un peu au comité aux alentours, donc le comité des fêtes de Saint-Maurice, de Molière, qui vont venir nous aider, donc ou pour la préparation qui sont là aujourd'hui ou qui seront là samedi et dimanche pour nous aider durant les courses. On a eu pas mal de partenariats avec les assos aux alentours. Le Bob, on l'a fabriqué en 2012, ouais. Mais sinon, moi je fais de la caisse depuis 1998. Je me suis arrêté en 2003, on a repris donc avec ma fille en 2012 en bobcar, donc pilote et copilote, quoi, en fait. Et on a été qualifié l'année dernière avec le comité de Haute-Normandie
On était vice-champion de Normandie et on a pu participer donc au championnat de France cette année avec un grand plaisir parce qu'il y a une super organisation et un grand soleil. Donc on a été aidé par beaucoup de collectivités, à commencer par le conseil régional, la communauté commune du Grand Figeac, également le conseil départemental, lui beaucoup d'aide financière mais aussi d'aide technique, et la commune d'Espirousse qui elle-même a participé financièrement et qui aide aussi au niveau technique en mettant à disposition des locaux, du matériel. Eh bien, là, la troisième, on a passé, parce que la deuxième, on avait percuté le ballot juste à au dernier virage. Et donc, on a dû réparer entre les deux. On a réussi à réparer et faire notre troisième manche. Et là, on a freiné un peu plus, mais on est passé. Donc, pour nous, c'est une victoire, entre guillemets. Pour notre première participation à championnat de France, et je pense que c'est bon. T'es sorti où, à l'extérieur ou t'es mis le nez à l'intérieur? Oui, à l'extérieur, comme tout le monde. T'es allé, hein. Ah bah tu t'as appuyé comment? J'aurais été caréné, je pensais. Ouais. Ça, il manquait. Ça léchait? Ouais, ça léchait. Il manquait que dalle et ça accrochait. Dès que ça accroche, c'est tout. Allez, c'est mort. C'est vrai que dans les comités des fêtes, bon, j'en ai vu pas mal, j'ai fait mes études dans l'Aveyron et c'était souvent la génération, une génération qui reprenait le comité des fêtes. Et nous, on n'est pas du tout dans cet esprit-là parce que c'est multigénérationnel. On a sur le village et dans le comité des fêtes, ça part des plus petits qui aident à mettre la paille, la rubalise et tout ça, et qui font pas mal de boulot, jusqu'à des anciens aussi qui viennent filer la main dans leurs possibilités pour nous soulager pendant l'événement, quoi. On se donne à fond dans ce qu'on fait à l'instant présent. Ouais. Et après, bon, on a les idées en fait en cours d'année quand on se revoit. Là, c'est vrai qu'on est plongé à fond dans l'organisation parce que c'est quand même, il y a une grosse organisation dont on ne s'est pas trop soucié quand on a déconné de prendre le championnat de France. Et du coup, là, on est à fond dedans et on réfléchit pas trop à ce qui va se passer après. Hein.